Europe Midi. Il est 13h42 sur Europe 1, c'est donc l'heure des découvertes d'Europe Midi avec la joyeuse équipe autour de Jean-Michel Apathy et Maxime Switek. Voilà, c'est l'heure d'une pause sympathique dans cette actualité qui est un peu chargée. Voici la pause des découvertes d'Europe Midi. Bonjour à vous, Eva Rock, une petite nouvelle dans la bande, Laure d'Autriche, que je salue. Bonjour. Olivier Drinxin et Thierry Geffrotin. Bonjour à vous quatre. Bonjour. Bonjour Maxime, bonjour Laure. Bonjour. Quels sont vos coups de cœur du jour? Eh bien, on va commencer par vous, Laure d'Autriche. Ah, on va parler d'un livre qui présente les mensonges de l'histoire, petits et grands mensonges de l'histoire, les idées reçues sur Charlemagne, De Gaulle, l'invention de la pomme de terre, la crème chantilly, bref, un livre de poche aux éditions qui vient de paraître aux éditions Pocket. Eva Rock. Complément d'enquête sur France 2 avec une enquête sur les recruteurs français au djihad. Olivier Drinxin. La vente aux enchères de la collection Marcy Rivière, Zeynep Marcy Rivière, une femme exceptionnelle. Une femme exceptionnelle. Et Thierry Geffrotin. Un spectacle au Casino de Paris à la rentrée, mais je vous en parle déjà parce que c'est assez original. C'est une cire-comédie musicale. Oula. Et ça s'appelle Timéo. Timéo, voilà le programme. Europe Midi, Jean-Michel Apathy, Maxime Switek. Et on va commencer avec vous, Eva Rock, avec votre choix télé pour ce soir. C'est donc Complément d'enquête sur France 2 à 22h40. Oui, un reportage choc sur les recruteurs français au djihad. Alors ça commence à Nice, à Toulouse, et ça finit en Syrie, comme vous allez le découvrir ce soir. C'est exceptionnel. Le chef d'un groupe de djihadistes a accepté de laisser rentrer une caméra à l'intérieur de son camp. Un recruteur bien connu des services de renseignement, Omar Homsen, donné pour mort il y a 9 mois, et pourtant bel et bien vivant. Ah oui, alors ça, il est bien vivant, hein. Vous allez bien le voir, c'est le premier scoop de la soirée, avec autour de lui des garçons qui s'appellent Guillaume, Brian et autres. Ce sont des jeunes niçois qui ont été embarqués dans ce groupe qui est proche d'Al-Qaïda. Alors vous allez pénétrer donc dans ce camp aux allures de village de vacances, en tout cas. C'est l'image que veut imposer Omar Homsen, qui donc dirige le camp, fait figure d'imam dans ce camp, mais aussi s'impose organisateur de reportage. Alors on va le voir, les garçons qui se baignent, font un méchoui, construisent des maisons. Pas de combat en apparence. En revanche, et malgré le contrôle qu'il veut bien imposer sur le reportage, on comprend l'emprise psychologique qu'exerce Omar Homsen sur ses garçons. Écoutez ce que dit un des jeunes hommes en mêlant français et quelques mots d'arabe. J'avais pas une très très belle vie non plus en France. Ce que je faisais, je vivais pas, je travaillais pas. Je faisais souvent des bêtises. Inch'Allah binillah, depuis que je suis venu ici, je suis en train de devenir mieux qu'avant. Voilà, ce sont des gamins qui ont été recrutés dans les quartiers de Nice, alors à coups de prédication et opérations de prosélytisme, évidemment, depuis des années. Et alors, pour éviter ce côté propagande qu'on peut sentir avec les sons qu'on vient d'entendre, le reportage a le mérite en fait de décrire parfaitement à la fois le processus de radicalisation de ces recruteurs et puis leur façon d'embarquer des jeunes qui sont de toute évidence en perte d'identité, qui sont allés chercher dans des quartiers où quand même c'est plutôt misère sociale, en leur promettant un paradis, mais alors vous l'aurez bien compris, un paradis aux allures d'enfer, parce qu'évidemment on va ensuite les voir sur le terrain se battre, et c'est une autre histoire que des camps de vacances où on construit des maisons. Et c'est donc votre choix pour ce soir, Complément d'enquête, je le rappelle, France 2 à 22h40. Votre bonus, ça n'a rien à voir. Ah bah oui, on change de d'univers, vous allez vite comprendre. J'ai une dernière volonté, j'aimerais voir quelqu'un. Sherlock Holmes. Voilà, alors moi j'avais adoré la série, je sais pas si elle a été diffusée la semaine dernière sur France 4, alors le film est tout aussi bien. Robert Downey Jr. dans la peau de Sherlock Holmes. Calmez-vous. Voilà. Non, j'ai rien dit, d'accord, voilà. Et joue de l'eau dans celui de Watson. Elle n'avait rien dit encore. C'était pour maintenant, avec une mise en scène spectaculaire et des effets spéciaux et beaucoup d'humour. De l'humour. Oui, je voulais simplement dire que Conan Doyle n'a jamais fait dire élémentaire, mon cher Watson. Jamais. Never. De Conan Doyle. Mais c'est vrai. Il aurait dû. C'est fait d'ailleurs. C'est sur TMC à 20h55. Voilà pour ce bonus Sherlock Holmes. Merci Eva Rock. Puisque vous avez la parole, Thierry Geffrotin, gardez-la. Ah, merci beaucoup Maxime. Je vous emmène au cirque. Alors pas tout à fait au cirque, je vous emmène au Casino de Paris. À partir du 16 septembre prochain, vous aurez donc à l'affiche Timéo, une cirque-comédie musicale. Vous avez compris les questions de cirque et de comédie, voilà. Et de musique. Allez, un peu de musique. On commence tout de suite. On est tous les artistes, jongleurs dans l'art, on ne laisse jamais tomber. On est tous les
Alors, de la musique et une histoire. L'histoire de Timéo, un jeune garçon en fauteuil roulant qui n'a qu'un rêve, il veut devenir acrobate. Alors vous imaginez, hein, voilà, c'est un rêve. Et ça va peut-être devenir réalité, il faudra aller voir le spectacle puisqu'il y a un cirque passe dans sa ville. Et il va s'inviter aux répétitions et il va découvrir la vie du cirque. Vous savez, c'est comme la famille du cinéma, on pense que tout le monde s'aime. Ben, c'est pas tout à fait vrai dans le cirque, il y a aussi des choses un peu compliquées. Et ça permet de faire une comédie musicale. Exactement, alors vous aurez donc des trapézistes, fakirs, jongleurs, magiciens. Et puis alors, ce qui est très, très intéressant, c'est que pour jouer le rôle de Timéo, il y a deux jeunes artistes, Mathias Rommel et Benjamin Métro. Et Mathias, il est vraiment dans un fauteuil roulant. Il a un handicap qui n'est pas de naissance, il a eu un accident. Et Benjamin Métro, lui, est atteint de tremblement essentiel. C'est-à-dire qu'il n'est pas obligé d'être dans un fauteuil. Mmh. Mais voilà, donc on est entre le spectacle et la réalité. C'est Alex Good qui met en scène ce spectacle, pas comme les autres. On est parti là-dessus sur l'histoire de cet enfant, donc en situation de handicap, il est en fauteuil. Il rêve de devenir une star du cirque. Et c'est, voilà, et c'est la première fois voilà, que le rôle principal est tenu par un vrai ado en situation de handicap. C'était le vrai défi, c'est ça qui nous excitait. Et c'est pour ça qu'on est parti dans cette aventure qui est humainement la plus géniale de ma vie. Ouais, Alex Good, il parle d'aventure, ça fait des années, je crois que ça fait plus de 4 ans qu'il est sur ce projet, qu'il y croit, oui. et qu'il a réussi à monter ce spectacle donc à la rentrée à Paris. Alors justement, ce que vous dites, c'est très important, Maxime, parce qu'il y travaille depuis longtemps, mais la troupe qui est avec lui, il travaille depuis un an, voire 18 mois, donc on peut penser que ça sera vraiment très très professionnel, y compris l'un des jeunes, celui qui est vraiment en fauteuil roulant, il est très touchant, il s'appelle Mathias Rommel, je l'ai rencontré juste avant le showcase, comme on dit en bon français, vous savez, la présentation de ce spectacle. Écoutez ce qu'il leur dit, parce qu'il a dû travailler très très dur. J'ai pris des cours de jonglage toutes les semaines, des cours de chant deux fois par semaine, et du jeu aussi. J'ai travaillé à le jeu. Qu'est-ce qui a été le plus difficile dans tout ça? Le jonglage. Ouais, ça a été le jonglage, je pense. Alors raconte-moi le personnage que tu joues. C'est Timéo, donc un garçon qui est en situation de handicap et qui rêve de devenir artiste de cirque. Est-ce qu'on peut dire que c'est un peu toi? Oui, ah oui. Malgré que j'ai jamais eu le rêve de cirque dans la tête, mais j'ai toujours voulu être sur scène. Donc oui, il me ressemble beaucoup. Pourquoi tu veux faire de la scène? Ça a toujours été mon rêve, toujours. Partager des émotions avec le public et de pouvoir faire des choses et de montrer au public, quoi. Mon cœur se tord, mon cœur se plie, mon cœur s'étire à volonté. Mon cœur peut faire à l'infini ce que mon corps ne fera jamais. Mon cœur bascule, mon cœur se cambre. Donc, Timéo au Casino de Paris à partir du 16 septembre 2016. Je pense que c'est un spectacle qui pourra vraiment nous surprendre. Et c'est donc votre coup de cœur aujourd'hui, Thierry Geffrotin. Merci Thierry. On va faire une toute petite pause dans ces découvertes d'Europe Midi. Et dans un instant, on va parler d'histoire. Tiens, juste avant Franck Ferrand, les mensonges de l'histoire. C'est ce que va nous présenter Laure d'Autriche. Et une vente aux enchères avec, évidemment, Olivier de Ringsin. A tout de suite sur Europe 1. Europe Midi. Jean-Michel Apathy, Maxime Switek. Et à 13h53 sur Europe 1, c'est la suite des découvertes d'Europe Midi avec de la lecture et une vente aux enchères. Une Maxime. Vente aux enchères avec notre spécialiste Olivier de Ringsin. Ce sera chez Christie's au 9 avenue Matignon à Paris, c'est précis. Ce sera les 8 et 9 juin, donc dans une semaine, la collection Marcy Rivière. Faut nous en dire plus. Et vous irez voir cette remarquable collection pendant le week-end, c'est ouvert chez Christie's. Alors on attend bien sûr quelques pincées de millions d'euros pour des tableaux comme le Man in Blue de Bacon. Il a peint les papes et puis il a pris la série des Hommes en bleu. Et puis il y a du Nicolas de Staël et puis il y a des fers forgés de Julio González. Le tout n'étant pas dans le champ de l'ISF, il est encore temps d'aller faire ses provisions. Mais quelqu'un en particulier? Non, parce que de toute façon pour 2015, l'ISF de l'année dernière, oui, c'est trop tard. Mais bon, ce qui retient l'attention, c'est d'abord la vie de Zeneb Marcy-Rivière. Elle est née en Tunisie, elle s'appelait mademoiselle Zeneb Kebaili, elle est musulmane, elle a d'abord épousé un Français, André Lévy Depa, qui est un juif fortuné, fondateur des Monoprix, des Prises Uniques en Afrique du Nord, qui collectionne, il a bon goût et quelques moyens, les nabis, les vuillards et autres antiquités. Il est mort en 1974, Zeneb hérite d'une fortune absolument considérable. Un peu plus tard, après de, paraît-il, de très longues fiançailles, elle rencontre et elle épouse Jean-Pierre Marcy-Rivière, elle l'épouse en 92. Alors c'est formidable, parce que c'est la rencontre de deux personnes qui ont les moyens, qui sont des collectionneurs patentés, pas dans les mêmes registres. Ils occupent chacun un étage de leur hôtel particulier de la rue de Varennes. Monsieur est plutôt donc dans le contemporain, Bacon, Staël, Serra ou Lalanne. Et madame, elle, plutôt dans les antiquités classiques, bon chic, bon genre.
Ils ont donné la collection des Bonnard et des Vuillard qu'elle avait de son premier mari. Elles l'ont donnée au musée d'Orsay. On devrait les voir à l'automne prochain. 140 tableaux ou dessins. Et ça, ça n'est pas du goût de la famille tunisienne. Alors, il faut dire que la fortune de Zeneb vient essentiellement de Tunisie pour la meilleure part. Et l'un des neveux a imaginé qu'il pourrait faire annuler le testament en faveur de son mari, Jean-Pierre Marcet-Rivière, au motif qu'il n'était pas musulman. L'argument vaut ce qu'il vaut. Il paraît que on peut avoir une interprétation du code du statut personnel tunisien qui dit que dans la loi islamique, dans la charia, on ne peut pas épouser, on ne peut pas hériter d'une personne qui a épousé une musulmane, alors que l'inverse, paraît-il, est vrai. Et Bourguiba voilà. a dû se retourner dans sa tête. Voilà. En fait, le code ne dit rien de tel. J'ai regardé de peu plus près l'article 6 de la Constitution tunisienne. C'est pour ça qu'il faut invoquer les mains de Bourguiba. Reconnaît la liberté de conscience et le libre exercice des cultes. Autrement dit, ça ne devrait pas aboutir. Mais néanmoins, elle est considérée comme tunisienne par les Tunisiens, alors qu'elle est française. Son père déjà était français en 1922. Elle a choisi la nationalité française à sa majorité. Les tribunaux tunisiens, dans un premier temps, ont validé le mariage avec M. Marcet-Rivière. Et puis, en appel, le mariage a été invalidé. On s'est lancé dans une procédure de cassation. Heureusement, si on peut dire, la mort de Jean-Pierre Marcet-Rivière, et puis la vente de Christie's, et surtout la donation à Orsay, devrait permettre de mettre un terme à cette étonnante passe d'armes juridico-confessionnelle, je ne sais pas comment il faut appeler ça. Et donc comme cette ça. Vente, ce sera donc le 8 et 9 juin chez Christie's à Paris. Merci Olivier de Ringsin. Lord d'Autriche, pour votre première apparition dans les Découvertes d'Europe Midi, les auditeurs d'Europe 1 vous connaissent quand même, mais c'est la première fois que vous venez ici c'est dans vrai. Les Découvertes. Vous nous parlez donc des petits et des grands mensonges de l'histoire de France. C'est un livre écrit par Julien Arbois. Oui, ce livre qui présente une cinquantaine d'épisodes historiques et certains qui ont été enjolivés, mis en scène, maquillé. Vous découvrez par exemple que le fameux vase de Soissons n'a jamais été cassé, qu'il a seulement été cabossé et qu'il venait d'ailleurs, non pas de Soissons, mais de Reims. Ouais, tout faux. Voilà, ouais. On vous explique aussi que Charlemagne n'a pas inventé l'école. Quoi ? Les écoles existaient déjà bien avant. Ce qu'a fait Charlemagne, c'est qu'il a demandé aux évêques de développer des écoles dans les monastères, dans les églises. Ouais, mais c'est ce qu'il a fait de mieux. Hein. Mais voilà, il n'a pas du tout inventé l'école. Il était d'ailleurs lui-même illettré et donc les manuels d'histoire se sont bien trompé, nous dit ce livre, en faisant de Charlemagne le protecteur de la jeunesse, des écoles et un précurseur d'ailleurs de Jules Ferry. Il y a aussi des idées reçues dans ce livre, des idées bien ancrées dans nos têtes, comme l'histoire de la création de la crème chantilly. Exactement. Vous savez, on dit que c'est le cuisinier Vatel qui est l'inventeur de la crème chantilly. Un jour, pour une grande fête, en 1661, avec Louis XIV, il fait servir en dessert une crème fouettée et sucrée. L'histoire dit que c'est Vatel qui a inventé ce dessert, mais non, c'est en réalité une recette qui vient d'Italie et qui est arrivée en France un siècle plus tôt. Même chose. Escroquerie. Exactement. Même chose avec l'histoire de la pomme de terre. Parmentier n'est pas le découvreur ni l'inventeur de la pomme de terre. Elle poussait déjà il y a 8000 ans dans la cordillère des Andes. Le problème, c'est que pendant longtemps, en France, eh bien, on ne voulait pas manger de cette pomme de terre. Les Français avaient peur qu'elle soit dangereuse pour la santé. Et c'est là que Parmentier, Antoine Parmentier, intervient. En 1785, il demande à Louis XVI l'autorisation de planter des pommes de terre autour de Paris. Pendant la journée, les champs sont gardés pour montrer qu'il y a à l'intérieur des denrées rares, des denrées précieuses. Et la nuit, plus de gardes, on laisse les champs sans surveillance. Et les pays commence à voler des tubercules, à les consommer, à les replanter. Et c'est à partir de ce moment-là que la pomme de terre va s'imposer comme un aliment phare, finalement, pour les Français. Alors, dans ce livre, il y a aussi des anecdotes sur les grands personnages, certains grands personnages de l'histoire. Exactement. Comme Charles de Gaulle, par exemple, savez-vous qu'il n'était pas vraiment général au début de la Seconde Guerre mondiale. Au début de la Seconde Guerre mondiale, il est nommé général de brigade à titre temporaire, seulement pour la durée de la guerre. Mais en juin 40, vous savez, le maréchal Pétain prend le pouvoir. De Gaulle est alors rétrogradé au rang de colonel. Mais depuis Londres, il appelle à la poursuite du conflit, on le sait, et il va continuer, lui, à se faire appeler général. Pour le grand public, il était déjà depuis longtemps le général de Gaulle. Pourtant, après la guerre, il n'a jamais, jamais été promu général à titre définitif. Mais voilà, c'est cette appellation...
qu'a pris, cette appellation a pris le pas sur les autres, et c'est un exemple qui montre que voilà, avant d'être une science, l'histoire est parfois un instrument entre les mains des hommes. Hein. Thierry, d'abord je voudrais dire que j'espère que l'or reviendra. Oui, et, ah oui moi aussi. Et, oui, hein, et l'histoire des pommes de terre de Parmentier me fait penser à cette phrase de Sacha Guitry, il faut travailler comme si c'était interdit. Et moi je voudrais savoir si Mac Mahon a vraiment dit devant les inondations de Toulouse, que d'eau. Vous êtes noir jeune homme, c'est bien continué, a-t-il dit lors d'une inspection à Saint-Cyr. Et la couverture du livre est géniale parce qu'il y a Napoléon avec un grand nez. Petits et grands mensonges de l'histoire de France, c'est écrit par Julien Arbois. Merci beaucoup, Laure d'Autriche. Merci à toute la bande des découvertes.